ce premier mois, ce mois enfante, un rattrapage divin, une accélération divine. Les opportunités courent à moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le rattrapage divin en ce qui concerne la santé. Ô Père, je le prophétise dans le nom de Jésus. Matale broskin tabra shedededede roka labra son tale calabra shin tabra kotazia le mayaka talabra son tale brashadade roka labra son tarabaye dans le nom de Jésus. Ah, des mariages tardifs, Père, mon Dieu, mon roi, sont convertis dans ce mois, le ciel ouvert, en accélération divine, mariage accéléré, au nom de Jésus. Ah, ah, ah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, je passe la main à Pasteur Pousta. Machatali, tu es bon, Dieu. 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 Oh yes. Tu es bon, Dieu. Tu es bon, Dieu. Dieu, tu es bon. Tu es bon, oh Dieu. Alléluia. Tu es bon. Toi, tu es bon.
Je ne sais pas ce que tu attends de lui. Je ne sais pas ce que tu espères. Prophète intercesseur, ce matin, nous voulons entrer dans ses parvis pour cette deuxième heure avec la louange, avec les actions de grâce, avec des pas de danse. Même si on n'a pas ce qu'on veut voir, on croit que papa est bon. On sait que papa est bon. On sait qu'il saura se souvenir. Ah, ce matin, je veux célébrer le Dieu qui m'exauce, le Dieu qui me répond, le Dieu qui entend mes supplications, le Dieu qui entend les soupirs de mon cœur, celui qui sonde mon cœur et qui peut aller trouver dedans de moi une pensée cachée. Je veux élever ma voix et célébrer le véritable. Je veux chanter les bontés du Seigneur. La Bible déclare qu'elle se renouvelle chaque matin. Et pendant que nous sommes en train de le célébrer, pour ses bontés, ah, il y a une bonté du Seigneur qui localise un prophète intercesseur à cette heure. Alléluia. Tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne. Tout le monde témoigne. Ah, tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Et il m'a dit, testify. So good, so good.
Qu'il nous soit permis de célébrer ton nom, qu'il nous soit permis d'élever ton nom ce matin. Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous et ta bonté dure à jamais. Ta fidélité est grande. Est-ce qu'un prophète intercesseur peut crier gloire à Dieu dans sa maison, là où tu te trouves? Est-ce que tu peux m'aider à honorer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a une soeur qui m'a écrit. Elle dit, pasteur Prisca, attends, je vais célébrer le Seigneur et puis je vais te saluer. Elle dit, pasteur Prisca, je me suis connectée la première fois avec vous hier, pasteur Prisca. J'avais un dossier bloqué. Depuis longtemps, je devais aller travailler dans une entreprise. À la fin de la prière, au moment où on était en train de relâcher les bénédictions, quand vous avez parlé de recevoir des appels et tout, j'ai dit, ah, moi, il faut qu'on m'appelle. Je recevrai mon appel. Pasteur Prisca, dans la journée d'hier, après un jour de prière, sur prière 24, j'ai reçu mon appel. Et l'appel était un appel de miracle condensé. Non seulement la structure qui devait m'appeler m'a rappelé, mais après, la structure m'a informé que mon visa, c'était OK et que je commençais à bosser avec eux à partir du mois de décembre. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Qui peut exaucer comme ça? Qui peut exaucer comme ça? Amen. Alléluia. Donc, quand je parle de ce matin, quand je suis en train de te parler de célébrer le Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Mais je veux te dire que pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, là, quand je donne ce témoignage, tu veux diminuer le volume de ton PC parce que tu te dis, Seigneur, depuis j'ai commencé, ça fait 3-4 mois. La sœur est venue hier seulement et tu lui as déjà répondu. Bien-aimé, lève les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis exaucé. Je te rends grâce parce que je suis exaucé. Je te rends grâce parce que je touche mon exaucement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous voulons le célébrer. Bien-aimés, nous voulons le célébrer. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de combat-célébration, de célébration-combat. Alléluia. Amen. Parce que nous naviguons au mois d'octobre à ciel ouvert, amen, de tous côtés. Si ton ciel est ouvert, si tu le crois, c'est maintenant que tu vas commencer à célébrer le Seigneur. Si tu le crois, c'est maintenant que tu vas commencer à élever le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux chercher un foulard quelque part là-bas? Est-ce que tu peux chercher un mouchoir pour commencer à dire personne n'est bon comme toi? Mon Dieu, personne n'est bon comme toi. Personne n'est bon comme toi. Toi le maître des cieux, toi le maître de la terre, toi qui tiens l'univers en ta main. Alléluia. Hey! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
promesses de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Dieu vivant, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu toi. Dieu de prodige, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu toi. Dieu de miracle, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Toi qui peux tout, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Toi qui es puissant, oh mon Dieu. Qui est bon comme Dieu vivant, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu toi. De gloire, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme tu toi. Tu es le maître, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qui est bon comme Dieu vivant, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu puissant, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu merveilleux, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu magnifique, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu extraordinaire, oh mon Dieu qui est bon comme Dieu puissant. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Tu es le maître. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître, 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 maître de la terre, à toi la gloire, l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Dieu de miracle, qui est bon comme toi. Dieu qui surprend, qui est bon comme toi. Dieu de merveille, qui est bon comme toi. Seigneur Jésus, qui bénit comme toi. Oh mon Père, qui est bon comme toi. Papa Jésus, qui est bon comme toi. Jésus mon roi, qui peut se comparer à toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Dieu de prodige, qui est bon comme toi. Dieu de signe, qui est bon comme toi. Toi qui entends, qui est bon comme toi. Dieu puissant, qui est bon comme toi. Dieu vivant, qui est bon comme toi. Tu es maître des cieux, maître de la terre. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné, tu m'as donné, toi tu m'as donné, Jésus tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné, toi tu m'as donné. Tu m'as donné, donné, tu m'as donné, tu m'as donné, c'est pourquoi je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur. On dort pas, on se lève pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Le Dieu qui nous a tout donné. Le Dieu qui nous a visités. Le Dieu qui nous a répondu. Korabachakata yata braseta rababosheta bayada brasuta yada rabababa shada yada da rekata ya debrasa rebaba rekata robayande broketa bayete brosuta yata yedabaye makata bra rekata makata riakata rabababa shada yada dosa nebobosata rebaba sheta Korea kata reba baba le mayata le baba me mandere keta brase keta kayete bro nikata raba baba sheta ya dabra sutaya. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la célébration.
Ce matin, je ne veux pas laisser la tristesse me distraire. Ce matin, je ne veux pas laisser l'angoisse me distraire. Je veux louer le Dieu de miracles. Je veux louer le Dieu tout-puissant. Celui qui par la louange fait tomber les murs de Jéricho. Je veux louer le Dieu de mes victoires, le Dieu de mes victoires, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon triomphe. Ah, il étend sa main et il me sauve de la détresse. Je veux louer le Dieu qui ouvre le ciel au-dessus de moi. Marre cavalier, requete le bossa da dosa, e rabacheta ya, le carabaya ta la bossa, ibra sataye, carabosche da da dosa da ye, alléluia. Je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Je te célèbre, je te célèbre. Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Shadaraba, makataya tabra katara bose tababa, nemaya te broche taraba broche tayade, ikaba sata la barre bosha da de sebra. Ekabayata brasuka takarabayata malalala rabababa shenadada ekabaye kabaye 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 rebashe debrosa le mazate rebosi tabaya. Alléluia, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Rebos, 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 si cavalier. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Alléluia. Sakarabaya tabrakata, la katabasa, rebababa sheta, le ketebrosita, ebrasuta ya tebroshada de setabayete, reketabababa sheta ya tabrasa. Il a ma sota ya te broke ta baba bayeta. Le borobo shadade se telebo si ta baya te broke ta rababa baba 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 baba. Shadade no sadaraba. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être glorifié. Toi seul est digne d'être célébré. Alléluia, qui est comme toi. Gloire à Dieu. Ah, est-ce que tu peux donner un amen multiplié? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Si je dis gloire à Dieu, est-ce que tu peux donner un amen prolongé? Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Prophète intercesseur, tu es béni de tous côtés. Alléluia. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Alors quand tu dis gloire à Dieu et que tu dis amen, tu confesses, tu attestes, tu proclames, tu prophétises, tu décrètes que la gloire de Dieu remplit ta vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Disons ensemble amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen à sa parole, à sa promesse, à ses grâces sur nos vies. Disons amen au ciel ouvert. Amen, 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 am
aux bénédictions du mois d'octobre, nous disons amen. Le Seigneur va te surprendre. Il va te surprendre agréablement. Est-ce que tu dis amen à ça? Est-ce que tu dis amen à ça? Est-ce que tu dis amen à ça? Dieu te visite ce matin. Hey. La bénédiction que tu attendais là. Ah, tu dis pas bien amen, tu dis pas bien amen. Il y a une surprise à faire pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te vois célébrer ton mariage. Oh, tu n'as pas bien entendu, 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 je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. Je disais que je te vois célébrer ton mariage. Je te vois célébrer ton mariage. Dis amen à ça. Amen, 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 amen. Présenter ton bébé. Ton bébé prière 24. Ton bébé prière 24. Ton bébé prière 24. Je te vois présenter ton bébé prière 24. Makabara bachata là-bas. Dis amen à ça. Je vois ta promotion, je vois ta nouvelle dimension, je vois les anges monter et descendre dans ce ciel ouvert, je te vois promu, je te vois contracter des puissants partenariats. Alléluia. Dis amen à ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner des clameurs au Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Wow. Alléluia. Quelqu'un dit, mais pasteur Priska, il y a quoi? On s'est levé pour prier. J'ai pris la position de combat. Alléluia. J'ai pris la position de combat. Moi-même, je suis musclé en ce moment. Mais tu dis, on n'a qu'à louer. Ah, pasteur Priska, je veux dire à un prophète intercesseur ce matin, nous ne marchons pas par la vue. La Bible nous recommande de marcher par la foi. Alléluia. Et si on célèbre la victoire. Et si on célèbre, on célèbre la victoire. Si on Amen. Célèbre, on célèbre ce que le Seigneur va faire dans ce mois qui yes. commence. Alléluia. On va Amen. Partir avec la tristesse en octobre. Jamais de la vie.
On n'entrera pas avec les fardeaux que l'ennemi a voulu nous imposer ce mois de septembre. Bien-aimé, pendant que le mois de septembre a été challengeant pour certains, c'est le mois de la visitation pour certains. Ça a été le mois de la visitation inespérée, inattendue, improbable pour d'autres. Alléluia. Et les autres là, tu en fais partie. Alléluia. Il y a des exaucements que tu as reçus en septembre, que tu vas voir en octobre. Amen. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Amen. Il y a une soeur qui m'a envoyé une note vocale kilométrique. J'ai commencé à écouter. La note commence par Pasteur Prisca, je me répands parce que je n'ai pas voulu témoigner, mais vraiment, je veux témoigner de ce que le Seigneur a fait. Bien aimé, je ne peux pas te dire. Je veux juste te résumer. Dieu a visité son couple. Il a visité ses enfants. Il a visité ses activités professionnelles. Elle dit, c'est pas fini. C'est pas, je vais rendre son témoignage ce soir. À Nightfire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rendre son témoignage ce soir. Alors, frères et sœurs, si tu es connecté, que tu as des attentes, ne dis pas comme on est en train de louer le Seigneur. Je vais me déconnecter. Alléluia. C'est une erreur fatale. Est-ce que tu peux dire à un voisin, erreur fatale? Erreur fatale. Il ne faut pas te déconnecter. Alléluia. Lambanise, lambano, lambane. Je ne sais pas à quel temps tu veux que je conjugue le verbe lambaniser pour que tu comprennes. Alléluia. Mais je veux juste, avec l'aide de la permanence, te rappeler la chute des murs de Jéricho. Alléluia. La chute des murs de Jéricho. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, prophète intercesseur, je bénis Dieu parce que nous sommes déjà à 1900 partages, sans mobilisation, sans motivation. Est-ce qu'on peut être béni comme ça? Est-ce qu'on peut avoir des partenaires de prière exceptionnels comme ça? Mais bien aimé, avant qu'on aille plus loin, je dis aujourd'hui, on est dans la célébration. On va acclamer le Seigneur, le Dieu des cieux, celui qui opère, qui prière de grâce. Je dis, acclamons Jésus. Alléluia. Gloire, honneur, louange à toi. Tu es le véritable, le Dieu exceptionnel, le Dieu sans égal, le Dieu sans pareil, le Dieu qui sait gâter ses enfants, le Dieu qui sait les couvrir de présents. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu sais que, je sais que tu sais, que je ne pouvais pas lire tes témoignages. Toi et moi, on ne serait pas partenaires de prière si le Seigneur n'avait pas parlé à l'oreille de son fils, de son serviteur. Alléluia. Ah, si Dieu n'avait pas soufflé à l'oreille de quelqu'un une ordonnance, et quand le Seigneur lui a dit, il s'est levé et il a obéi, il n'a regardé ni à gauche ni à droite. Il ne s'est pas dit, mais ça sera compliqué. Mais comment ça va se faire? Mais pourquoi? Non. Il n'a pas interrogé le Seigneur. Il a dit, sur ta parole, on va y aller. Bien-aimé, je veux que tu m'aides à honorer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, mon prophète. Alléluia. Yes. Nous sommes nombreux ici, c'est notre papa. Mais moi, je suis fier d'avoir un tel père. Aide-moi à taper le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse, que le Seigneur le bénisse de tous côtés. Que le Seigneur bénisse le pasteur Mohamed, le pasteur Liliane, sa famille, ses enfants, sa descendance dans le nom de Jésus. Tu es là, tu ne dis pas bien amen, tu es dans sa descendance spirituelle. Amen. APJ, on dirait que tu viens de comprendre quelque chose. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, on n'a pas fini. Regarde, reste tranquille, on va prier. On va prier dans la victoire. Au nom de Jésus. Et maintenant, je veux bénir le Seigneur.
Parce que les 1900 partages, là, ça ne vient pas de la permanence. Les 1900 partages, là, ce n'est pas la permanence. L'équipe de la permanence ne peut pas partager jusqu'à 1900, malgré notre bonne volonté. Il y a des partenaires de prière. Il y a des guerriers que le Seigneur a suscités. Ah, il y a des personnes qui sont intrépides, qui ont décidé qu'ils ne vont pas se laisser distraire. Il y a des personnes, il y a des fils et des filles d'une nouvelle génération. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes de foi. Et tu en fais partie, qui se connectent chaque matin de 3h à 6h. Si ces personnes-là n'ont pas été exaucées mercredi, elle dit, c'est pas grave. Sûrement, le Seigneur a prévu de me visiter jeudi. Alors, jeudi, elles sont là. Si jeudi, elles ne voient rien, elles disent, ce n'est rien. Vendredi, sûrement, je serai visitée avec la double portion. Et vendredi, ces personnes-là sont là. Et finalement, avant lundi, elles finissent par dire, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie, prophète intercesseur, partenaire de prière? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia! Alléluia! Et bien aimé, permets-moi d'atterrir sur la magnifique équipe que le Seigneur a donnée à prière 24, la permanence. Ce que tu dois savoir, c'est qu'à la permanence, les gens ont leur occupation. Ce sont des personnes, nous que tu vois là, on travaille dans la vie de tous les jours. Mais alléluia, Dieu a donné des personnes extraordinaires à prière 24. Il a déposé dans le cœur de ces personnes le fardeau de cette chaîne. Ce sont des femmes. La plupart des membres de la permanence sont des femmes passionnées du Seigneur. Mais il y a des hommes, il faut pas qu'ils soient jaloux. Et on a des hommes à la permanence, mais vraiment, ce sont des femmes et des hommes qui sont passionnés de Jésus, qui sont là, qui sont disponibles, qui se réveillent en sursaut. Quand on dit on est déconnecté, Zoom nous a arrêtés, bien aimé. Ah, nous sommes en train de rendre grâce. Et aide-moi, béni Dieu, pour cette équipe de guerriers. Ce sont des warriors, ce sont des passionnés, des intimes du Seigneur. Alléluia. Aide-moi à bénir le Seigneur pour tous les dirigeants qui au quotidien sont en train de prier sur cette chaîne. Aide-moi à clamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Alléluia. Amen. À la permanence, il y a des hommes. Regarde, pardonnez-moi les frères. Dieu vous bénit aussi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur maintenant? Est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à prier le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, on va prier. On prie, on célèbre. On prie, on célèbre. Bien-aimé, nous sommes au mois d'octobre. Et je voudrais que cette deuxième heure, tu puisses vraiment, avec un cœur reconnaissant, prier le Seigneur. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi avait prévu pour toi en septembre. Moi, je veux bénir le Seigneur. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont été gardées par la main de Dieu. Et que les prières ont fonctionné. Et que ce n'est pas en vain que le Seigneur a donné à son serviteur, le pasteur Mohamed, de pouvoir demander de prier avec le psaume 91. Je sais que les flèches qui ont volé sont tombées dans la mer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Yeah. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que les gens ont tiré, Abidjan dit, ils ont tiré à terre. Amen. C'est-à-dire, en rêve, ils pensaient qu'ils t'avaient eu. La balle t'a atteint. Mais en vrai, tu vois, ce n'était pas toi. Ils ont tiré dans ton ombre. Ils ont tiré à terre. Et là, ils sont étonnés de ce que tu es en train d'entrer en octobre. Mais tu n'es pas seulement en train d'entrer en octobre. Tu n'es pas seulement en train d'entrer en octobre. Tu es en train d'entrer en octobre à ciel ouvert. À ciel ouvert. Ils ont voulu fermer ton ciel. Et quand le Seigneur a vu qu'ils étaient au-dessus de ton ciel, que c'était eux le nuage sombre, le Seigneur a pulvérisé ton ciel. Hey, ils ont déguerpi. Et tu es en train d'entrer en octobre à ciel ouvert avec des contrats à signer. Alléluia.
Ils ont Amen. Tiré dans la mer. Bien-aimés, ils ont tiré dans la mer. Ils ont jeté un comprimé effervescent dans la mer. Est-ce qu'on peut le retrouver? Ils pensaient qu'ils étaient en train de t'atteindre. Mais Dieu t'a gardé. Dieu t'a gardé. La fosse qu'ils ont creusée les a ensevelis eux-mêmes. La fosse qu'ils ont creusée eux-mêmes, ils sont tombés dedans. Ça les a ensevelis. Parce que Dieu t'aime. Parce que Jésus t'aime. Je voudrais que tu puisses entrer dans ce temps de prière avec la gratitude. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté avec nous, que la tristesse est dans ton cœur, c'est une attaque de l'ennemi. Ouvre la bouche et parle à ton âme. Dis, mon âme, je t'interdis d'être triste. Je t'interdis d'être triste ce matin. Laisse-moi entrer en octobre dans la victoire. Je t'interdis d'être malheureuse. Alléluia. Bien-aimé, si tu dois pleurer en ce moment, tu dois pleurer de gratitude. Tu dois pleurer de reconnaissance. Tu dois te rouler sur le sol parce que ton Dieu a été bon pour toi. Oh, tu dois te jeter pour dire, je ne sais pas comment te dire merci. Je ne sais pas comment te dire merci, Seigneur. Je ne sais pas comment te dire merci. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et bénir le Seigneur? Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur ensemble? Est-ce que nous pouvons dire merci ensemble? Merci, Jésus. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour l'échec, les pièges. Comment on te dit merci? Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Les bras contre les bras cédés. Tu es bon, tu es extraordinaire. Merci, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Je compte tes bienfaits. Ta bonté. Je compte tes bienfaits. Nous célébrons ta bonté. Je compte tes bienfaits. Oh, Seigneur, mon Dieu. Ils sont devant moi, Seigneur. Abraha, je te dis merci pour le souffle de vie. Abraha, merci pour le repas quotidien. Alléluia. Merci pour la bonne santé. Merci pour la voix. Merci pour la capacité de prier. Merci. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur. Des parents, des frères que tu as gardés. Oh, il convient merci de te dire merci. À la brache, Shadaba, pour les enfants. Merci Seigneur. Pour la santé. Merci. Mata la brache, kata, le pavo. Riba so kata la brache, kata la brache. Riba so kata la brache, kata la Ricolo Bruskinta, oh merci Jésus, Ricalabra Shada Bashe de Bos, Ribra Shata Rababa Bashe de Ricata. Digne-tu, Papa, trouverai-je les mots ce matin pour te dire merci? Tu es digne d'être loué, digne. Rébauche, te rébauche, rébauche. Seigneur, comme une famille, comme une seule personne, nous venons te dire merci. Papa, je te dis merci pour celui qui n'a pas la capacité de te dire merci. Tellement son cœur est rempli de gratitude. Je te dis merci pour celui qui ne sait pas où trouver les mots. Je joins ma voix à la sienne pour te dire merci. Je te dis merci pour tous les témoignages
de prière 24. Ce qu'on a pu partager, ce qu'on n'a pas pu partager. Seigneur, je viens te dire merci. Là où on aurait dû te dire merci et qu'on a été ingrat, je voudrais à travers ce merci retirer les gratitudes et te présenter notre reconnaissance ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ce que nos yeux ont vu. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Merci pour ce que nos oreilles ont entendu. Merci pour ce que nos oreilles n'ont pas entendu. Merci pour tout et chaque chose. Merci pour mon frère connecté dans la salle de prière. Merci pour mon frère connecté sur Facebook. Merci Père pour ceux qui attendent leur exaucement. Merci pour ceux qui sont déjà exaucés. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ah, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour les grossesses qui arrivent. Amen. Merci pour les stériles qui enfantent cette fois. Merci pour le pauvre qui peut dire je suis riche. Amen. Merci pour le faible qui peut dire je suis fort. Amen. Merci Père pour tout et chaque chose. Amen. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci, merci pour tout, Papa. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Oh, nous sommes reconnaissants. Merci pour nos enfants. Merci pour les foyers. Merci pour les couples. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui sont en attente du mariage. Merci pour les prochains mariés. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Pour ces célébrations à venir. Alléluia. Oh, merci, Alléluia. Seigneur. Merci. Merci, papa. Merci de tout cœur. Que ton nom soit béni aujourd'hui. Amen. Merci pour les malades qui sont guéris. Amen. Seigneur, nous avons tellement de témoignages de guérison. Tellement de témoignages de délivrance. Amen. Même quand on ne les prend pas. Pendant que nous sommes Amen. En train de t'adorer, de te célébrer, les démons sont en train de libérer les corps. Le nom de Jésus. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, parce que souvent, nous quittons l'antenne avant d'avoir des témoignages. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Ah, Seigneur, si on veut compter tes hauts faits, on ne va pas partir d'ici. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Que la louange soit à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons balancer nos mains vers le ciel et dire merci, Seigneur. La présence de Dieu est là. Bien-aimé, disons merci, Seigneur. Une manière de mettre nos ennemis à plat. C'est de pouvoir témoigner de la bonté de notre Père. C'est de pouvoir confesser que notre Père est bon pour nous. C'est de pouvoir dire, il est bon pour nous. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche, dire merci, papa. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Et il y a une personne qui se sent seule ce matin. Pendant que nous sommes en train de balancer la main, tu vois, le Saint-Esprit t'environne comme un manteau autour de toi. Comme un manteau autour de toi, comme un manteau. Sa sainte présence est là et il est tout près de toi, comme pour te murmurer à l'oreille. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Quand même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai pas. Je connais tes peines, je connais tes soupirs,
Je sais ce que tu n'arrives pas à me dire. J'entends ce que tu n'es pas capable de m'exprimer. Je suis là et sa présence est là, sa présence est là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons balancer les mains et honorer sa présence? Shabbos, alabos, saya. Béni sois-tu. Tu es fidèle. Tu es bon. Tu es plein d'amour. Oh, que ton nom soit béni. Abba, Père. Sois béni. Sois remercié. Sois remercié. Sois remercié. Sois remercié. Alléluia. Prophète intercesseur, sens-toi libre. Aujourd'hui, tu peux t'exprimer dans le chat. Aujourd'hui, tu peux t'exprimer dans le chat. Aujourd'hui, tu peux le bénir. Tu peux te rouler comme tu veux. Ah. Ce mois d'octobre, je t'assure que tu seras reconnaissant jusqu'à la fin du mois. Il ne se passera pas un jour sans que tu ne dises merci, Seigneur. Tel tu es entré dans ce mois, tel tu vas célébrer jusqu'au bout. Tu es sur Facebook, tu peux dire merci. Tu peux dire merci, Jésus. Tu peux dire merci en mettant des cœurs. Tu peux dire merci en pulvérisant avec des cœurs, avec des gemmes. Les cabayes, borobos, chadabos, chenebos. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, Jésus. Pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ton amour. Merci. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Du fond de nos cœurs, nous venons te dire merci, 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 papa. Merci. Yeraba, sherabo, sherababo, shetere, korabaso, katalabos. Merci. Kariakata, revayata, lebosata, labayeta, labosada. Merci. Dieu vivant, Dieu puissant, guérisseur. Pouvoyeur, nous te disons merci. Protecteur, nous sommes là pour te dire merci de tout cœur. Kabaya tarabasha, la karabasa talabaye tabaunta. Merci. Kerabashe telebo sitaye tabosha, rakeboshe tababose. Merci pour les fois où nous aurions dû te dire merci. Mais nous nous sommes plaints alors que tu l'as fait pour notre bien, Seigneur. Merci. Merci pour cette relation que tu as abrégée et nous t'en avons voulu. Pourtant, c'était pour notre bien. Merci. Merci pour ces accidents que tu nous as fait éviter. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta protection de Corona et tout le reste de ces mots que l'ennemi a envoyé. Merci. Pour ton amour, pour ta fidélité, ce matin nous venons te dire. Merci. Merci papa, merci papa, merci papa, merci de tout cœur. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour le rafraîchissement, la restauration, le relèvement. Béni sois-tu.
Au nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous sommes reconnaissants. Alléluia. Amen. Amen. Prophète intercesseur, là maintenant tu es prêt à prophétiser. Shakabaya. Est-ce que tu sais que le Seigneur te regarde et puis il dit waouh. Waouh. Je suis fier et heureux de t'entendre, mon fils. Ah, je suis content de voir, de constater que tu n'es pas toujours en train de te plaindre, que tu sais dire merci. Alléluia. 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 Oh, Seigneur, merci. Vraiment, les mots nous manqueraient pour te dire merci pour prière 24. Mais merci surtout pour l'obéissance de ton serviteur. Et je veux te dire merci pour ma voix. Ah, Seigneur, je ne pensais pas. J'avais mal parce que je me disais comment j'allais vivre ces instants. Je veux tellement être reconnaissante, Seigneur, au thème de ce mois. Merci parce qu'on peut m'entendre. Je veux te dire merci. Merci pour ce que j'ai. Merci pour ce que je n'ai pas. Merci pour ce que je vais avoir. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va laisser le chat à la permanence parce qu'on va prophétiser. On va déclarer. Alléluia. Ah, bien-aimé, je t'assure que tu ne vas pas déclarer comme d'habitude. Amen. Avec la gratitude qui est dans ton cœur. Oh, je t'assure que tu vas déclarer avec puissance. Alléluia. Kabaye talaba shegedebo sadalabaya. Est-ce que la permanence peut se positionner dans le chat pour pouvoir mettre les passages ou les proclamations que nous allons faire? Alléluia. Glory to God. Shakarabaye teleko rabasa kelebosa. Kerabashe kelebosi kababa re kelebosa. Sheba shebo shade shedadadosa dadaya. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et nous voulons proclamer, déclarer sur ce mois d'octobre. Alléluia. C'est un mois où le Seigneur nous attend dans une intimité. C'est un mois où le Seigneur nous attend à un niveau. Alléluia. Et nous ne voulons pas être en marge de ce que le Seigneur recherche. Bien-aimé, le ciel ouvert aussi, ça parle de la connexion entre nous et le Seigneur. Entre nous et le Seigneur. Alléluia. Ça parle de la connexion entre nous et le Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Et je sais, prophète intercesseur, que si tu es connecté, tu sais aimer la langue. Et donc, tu mangeras les bons fruits. Tu mangeras les bons fruits. Amen. Tu ne vas pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Tu vas lever la main droite. Et tu vas dire, Seigneur Saint-Esprit, point ma bouche, point ma langue. Ma langue. Je veux parler par toi. Que toutes ces déclarations se réalisent dans ma vie au nom de Jésus. Avec puissance, avec puissance, avec puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, pendant que je parle, que la foi envahisse mon cœur, la foi en toi saisisse mon cœur. Et que ma bouche parle des profondeurs de mon cœur, des profondeurs de mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia.
Dis Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ce nouveau mois. Je déclare que le mois d'octobre ouvre une saison nouvelle dans le nom de Jésus. Une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de miracles, une saison de prodiges, une saison de signes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que ma vie est la piste d'atterrissage des miracles du Seigneur, des grâces du Seigneur, des bontés du Seigneur. Je déclare que du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, ma bouche est remplie de louanges à cause des merveilles du Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prophétise qu'en ce 1er octobre, le Saint-Esprit opère les réglages nécessaires pour que ma vie s'écrit gloire du 1er jusqu'au 31. Je saisis cette gloire dans le nom de Jésus. Je saisis cette gloire dans le nom de Jésus. Je saisis cette gloire au nom de Jésus. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare dans le nom de Jésus que ce que le Dieu d'Abraham a fait pour lui, il le fait pour moi. Au nom de Jésus, le Dieu d'alliance se souvient de moi. Au nom de Jésus, il se souvient de moi. Au nom de Jésus, je suis béni, visité par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, cela est mon partage. Je déclare qu'en ce premier jour du mois d'octobre, Jésus est installé confortablement sur le trône de mon cœur, sur le trône de mon cœur. Si quelque chose d'autre avait pris la place sans que je le sache, je détrône, je détrône ce quelque chose d'autre et je déclare que Christ Jésus règne en maître absolu sur le trône de mon cœur. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, tout ce que j'entreprends en bien réussit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'opère à ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, j'opère à ciel ouvert. Dans le nom de Jésus, je renonce à moi. Et Christ croit en moi. Dans le nom de Jésus, Christ grandit en moi. Au nom puissant de Jésus, j'opère à ciel ouvert. J'opère à ciel ouvert. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que le ciel ouvert sur moi m'est favorable, Je vois les anges monter et descendre avec mes grâces. Ils montent avec mes prières et descendent avec mes engagements. Ils montent avec mes prières et descendent avec mes réponses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils montent avec les adversités et descendent avec mes triomphes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare que les anges
que les anges opèrent dans le surnaturel, de sorte que ce qui m'avait combattu sous ce ciel ouvert est combattu et vécu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le ciel m'est favorable. Octobre, tu es un mois de victoire. Tu es mon mois de célébration. Tu es le mois où j'atteins mes objectifs. Dans le nom de Jésus, je te commande. Au nom de Jésus, octobre, tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Tu m'es favorable. Dans le nom de Jésus, Dieu mon Père. Le maître du ciel et de la terre m'exauce au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, en ce mois d'octobre, tous les aspects de ma vie sont bénis, de la pluie du ciel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, dis Seigneur, tout a été créé par toi. Tu as tout accompli à la croix pour moi. Toi qui as accompli tout, manifeste ces belles œuvres, ces œuvres merveilleuses, ces œuvres glorieuses, et que je les vois dans ce mois d'octobre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, en ce mois de gloire, Seigneur, pose l'échelle de Bethel dans ma vie. Que les anges de Dieu montent et descendent du premier. Au 31, du premier au 31, dans le nom de Jésus, 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 que toute angoisse qui m'a suivi, du début de l'année jusque dans ce mois d'octobre, monte maintenant avec les anges. Et descendent en victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que la faveur d'en haut et la faveur d'en bas me localise en ce mois-ci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu crois. Lève la main droite et déclare par la puissance et l'autorité de celui qui m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur l'escorpion et sur toute la puissance du mal. Je déclare à tout adversaire, je déclare à tout ennemi. Tu peux avoir la capacité de me détruire, mais mon Dieu ne t'en donne pas la possibilité. Au nom de Jésus, car le Seigneur me sauve, et ta capacité est transformée en humiliation. Dans le nom de Jésus, la force que tu as creusée dans toi-même, au nom de Jésus, dans toi-même, au nom de Jésus, dans toi-même, au nom de Jésus, je déclare, que tout ennemi est sous mes pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Christ. Je déclare, que ma paix me vient de Jésus. Ce mois est mon mois de paix.
Ce mois est mon mois de paix. Ce mois est mon mois de paix. Une paix particulière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Crie Alléluia cette fois. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire un autre instant de confession. Mais avant ce temps-là, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Est-ce que tu veux te réjouir pour les contrats de d'octobre? Ah, je pensais que tu allais commencer à danser. Amen. Je pensais que tu allais commencer à glisser, à glisser, à glisser. Ou bien tu veux dormir. On t'a dit, on dort. Le 1er octobre, on ne dort pas. Arrête-moi les positions, Shawama. Arabayata brasha kata kata kata. On dort pas, on dort pas, on dort pas. Regarde, prophète intercesseur. Hier, il y a un partenaire de prière qui m'a emmené une image. Il m'a envoyé l'image. Il dit, pasteur Prisca, je t'envoie l'image par rapport aux positions shawama. Alléluia. Mais c'est, tu sais, il y avait quoi sur l'image? Est-ce que je peux envoyer l'image à Sorel même? Comme ça, tu vas bien voir l'image. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui était en position shawama, enroulé dans son drap et il était en train de prier. Et puis il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que mes adversaires ont la victoire sur moi. Kabache keta la bocha. Il dit, Seigneur, je te bénis. Il faisait les prières bizarres. Et le frère a dit, ce qui m'arrive, il dit, ce qui que Dieu bénisse le créatif qui a fait ça. Mais c'est ce que tu fais. Tu vois, quand tu dors comme ça, là, tu commandes des oignons. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce sac d'oignons, je reçois. Et puis le matin, tu es là, on t'envoie un sac d'oignons, tu ne comprends pas. Tu dis, mais ça, c'est venu d'où? C'est quand tu étais enroulé à l'heure de la prière. Là. C'est là-bas que tu as déclaré que cette journée, tu reçois un sac d'oignons. Alléluia. C'est pourquoi, regarde, lève-toi, va laver ton visage. Et puis quelqu'un dit, mais pasteur Prisca, pasteur Mohamed, mercredi, là, il a dit, on peut prier doucement et être profond. C'est, regarde, c'est même pas de toi, il parlait. Tu l'as pas entendu quand il a dit, quand tu te réveilles le matin, il faut prier avec dynamisme. Ça, cette partie-là, tu n'as pas entendu. Hein. Cette partie-là, tu n'as pas pris. Je savais que tu allais venir me dire ça ici. C'est pas de toi, il parlait. Il parle de quand tu es assis, tu es bien éveillé et que tu es connecté dans un temps d'intoxis, tu peux prier sans crier. Tu vois, c'est de ça qu'on parlait. Je savais qu'il y a un prophète intercesseur qui allait se baser sur ça pour prendre une position même. Mais parce que moi-même, c'est un prophète. Quand il a poussé un peu net, il dit non, quand tu te réveilles le matin, il faut prier bien, avec dynamisme. Il a parlé de toi là-bas. Cette partie-là, c'était toi. Pour ne pas que tu commandes, ah, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ça, mais que le Seigneur te bénisse. Tu vois, regarde sur l'écran. Seigneur, bénis l'ennemi. Débarrasse-moi de mes frères. Pardonne mes bénédictions. On peut faire ça. On peut prier comme ça. Pardonne mes bénédictions. Sorel, je ne vois pas tout. Hein. Je ne sais pas comment on fait monter le bas là. Merci pour mes péchés. Hey! Est-ce que tu vois l'image? C'est pourquoi tu dois t'éveiller pour prier. Tu as vu l'image? On ne peut pas prier comme ça ici. Comment je prie quand je suis à moitié endormi? Sors de ton lit. Allez! Sors de ton lit. Je t'ai dit qu'on a un partenariat qui nous lie.
Sors du lit. On ne prie pas comme ça. Seigneur, souffle sur quoi la même. Alléluia. Est-ce que tu as vu cette image? C'est pourquoi je te réveille. Parce que tu as venu nous faire des prières ici. Après, tu vas écrire pour dire, tu vois, Seigneur, le mari de nuit peut rester. Seigneur, le mari de nuit peut rester. Voilà quelqu'un qui est couché, il prie, il dit, débarrasse-moi de mes frères. On peut prier comme ça. Bon, Sora et Reti, ils se sont réveillés. Ceux qui veulent attraper un petit sommeil là, on vous a eu, c'est bon. Ils se sont réveillés. On ne dort pas ici. Voilà, c'est bon. On ne dort pas. Est-ce que tu peux te réjouir? La permanence, mettez le verset. Il me fait monter sur les lieux élevés, sur mes lieux élevés. On se réveille. Comment toi tu vas dormir? Nous on est au centre Kodesh. Depuis 2 heures on est réveillé. On vient, on se met là et puis toi tu veux dormir. On peut abandonner son partenaire comme ça. On ne dort pas ici. Voilà quand on demande le Saint-Esprit là. Hein? Il y a d'autres qui disent Seigneur, souffle sur mon lit. Amen. Et puis maintenant à la fin, non, mais je dis quoi là? Je dis quoi? Après, tu viens écrire dans le chat que toi, tu ne parles pas en langue. Mais tu dis, il n'y a qu'à souffler sur ton lit. Tu n'as pas dit au Saint-Esprit de souffler en toi, de souffler sur toi. Tu dis sur ton lit. Réveille-toi, on ne dort pas ici. Ah, tes témoignages sont trop nombreux en octobre pour que tu dormes. Ah, chakarababa. Sorel, j'attends le passage. Keraba Shegerebos, Kiraba Baba Baba, Kerabaya. Kepra Shada Labos, Kintaba Baba. Shegerebos, Regerebos, Sokaraba Baba Baba. Karabashe Kataya Tabra Sokalabaya. Ma Kebrandaha, est-ce que tu es réveillé? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux célébrer le Dieu de mes victoires. Ah, octobre, tu t'écris gloire au nom de Jésus. C'est pourquoi je veux me réjouir. Shababos, Marlène, tu ne vas pas dormir ici. Kabaya tabrakata rabashakataya. C'est dans le livre d'Abakouk. Kabaya tabababos, shata. Voilà, il y a un prophète intercesseur qui a mis Habakkuk 3. Habaché, Lekebos, Sekebos. Akarabaché, Gerebos, Sikabababababaché, Dededos, Satalabaye. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Psaume 18, 34. Bon, je peux déjà... Reste ici. Il rend l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Est-ce que tu peux dire avec moi, je marche sur mes lieux élevés? Je marche sur mes lieux élevés. 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 Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir ensemble? Est-ce qu'on peut se réjouir? Je veux me réjouir. Je veux me réjouir, mon Dieu, mon Seigneur, en Jésus, mon roi. Je veux me
Alléluia, 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 allé
Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, on va prophétiser encore. On prophétise, on prophétise, on prophétise. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'ai ouvert un peu ma caméra pour que tu saches que c'est pas... on te dit de faire, puis nous, on fait pas, non. Je rappelle que nous sommes au Centre Kodesh. On a matinale de prière aujourd'hui. Voilà, nous sommes déjà sur place. Ce 1er octobre, là, ça sera trop, trop waouh. Alléluia. Ça sera trop waouh. Amen. Amen. Donc, tu peux nous rejoindre à partir de 6 heures. Quand on finit, si tu es à Abidjan, tu peux nous rejoindre au Centre Kodesh pour la matinale de prière. Sinon, on démarre déjà dans quelques minutes. Alléluia. Bien-aimé, on va prophétiser encore. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il va faire? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la nouvelle dimension? Alléluia. Pour la nouvelle dimension. Bien-aimé, ce mois d'octobre, c'est un mois où les portes sont ouvertes. Amen. Alléluia. Les portes sont ouvertes devant toi. Amen. Les portes sont ouvertes devant toi. Amen. Ah, ton amen est faible. Amen. Shakaba sete rebos pora kabarebo shedebro sita. Le kabasuka takayenebre ketaraba shada bababa. Ah, ça sera chaud aujourd'hui. Est-ce que la permanence pourra suivre même avec les versets? Hein? Est-ce que vous allez vous en sortir? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ciel ouvert. Nous sommes en train de parler de ciel ouvert. Chegerebos koria karabos kinta. Alléluia. Ésaïe 45, verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Mm-hmm. Alléluia. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Ésaïe 45, verset 8. Sorel, il va falloir que tu sois attentive. Il va falloir que tu sois attentive parce que je vais aller vite. Alléluia, je vais aller vite. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. En fait, intercesseurs, levons la main droite et déclarons sur la base de ce passage. Les cieux répandent d'en haut. Les cieux répandent d'en haut. Des nuées de grâce. Toute situation d'injustice. Toute situation d'injustice. Dans ma vie. Dans ma vie. Est remplacée par la justice. Est remplacée par la justice. Au nom de Jésus. 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 Il en est ainsi. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Alléluia. Amen. La terre s'ouvre. La terre s'ouvre. Le salut y fructifie. Le salut y fructifie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de octobre. Jésus. Octobre. Tu es le mois de ma délivrance. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Toute situation de délivrance, toute situation de délivrance qui n'a pas eu lieu, les mois précédents se matérialise ce mois d'octobre. Je suis délivré de toutes sortes d'adversités dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, la Bible dit aussi dans le livre de Matthieu 3, verset 16, que dès que Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau et voici les cieux se sont ouverts et il vit
l'Esprit de Dieu descende comme une colombe et venir sur lui. Ce mois d'octobre, c'est un mois de connexion avec le Seigneur, amen, de connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Lève la main droite et déclare avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma connexion avec le Saint-Esprit, ma connexion avec est particulière, est particulière, est particulière. Je suis rempli de l'Esprit, je suis rempli de l'Esprit, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, au nom de ma Jésus, relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec le Saint-Esprit est particulière, est particulière. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Et la Bible dit dans le livre de Actes 7, verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tu vas déclarer au nom puissant de Jésus. 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 Les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts. Et Christ. Et Christ. Intercède en ma faveur. Intercède en ma faveur. Christ. Christ, intercède en ma faveur, intercède en ma faveur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Actes 10 au verset 11, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Alléluia. C'était comme si le ciel était en train d'apporter une provision. Alléluia. Si vous lisez la suite du passage, vous allez comprendre dans cette révélation que cet homme de Dieu a eue. Nous prions que ce mois d'octobre, le ciel pourvoie véritablement à tout type de besoin. Amen. Alors lève la main et déclare. Ce mois d'octobre, dans le nom de Jésus, le Seigneur pourvoit à mes besoins. Le Seigneur pourvoit à mes besoins. Tous mes besoins. Tous mes besoins sont pourvus, quels qu'ils soient, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il en est ainsi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ah, déclare. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Les portes que tu ouvres devant moi en octobre sont glorieuses. Tu ouvres devant moi des portes grandes que personne ne peut refermer. Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les grâces, les faveurs que tu prévois pour moi dans ce mois d'octobre ne seront pas interceptés. Dans le nom de Jésus, aucun coupeur de route ne m'empêchera d'entrer dans ma grâce ce mois d'octobre. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, je le décrète. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Dis, Seigneur, je suis confiant de ce que même si mes adversaires se tiennent nombreux devant moi en octobre, tu les écrases, tu les écrases, tu les écrases. Lève le pied, fais le signe d'écraser, tu les écrases, tu les écrases, tu les écrases. Au nom de Jésus, tu les écrases dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prophète intercesseur, est-ce que tu es prêt à déclarer encore? Amen. Alléluia. Makayata brasata. Lebro shadadosa. Lève la main droite et dis avec moi. Par ta grâce, Seigneur, tu me permets d'être au bon endroit. Au bon moment. Toujours. 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 Au nom de Jésus, Seigneur, à cause de ce que ta grâce m'a localisé, je suis favorisé partout où je passe.
Ceux avec qui j'étais en difficulté. Demande une réconciliation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Par ta grâce. Tu m'accordes. Des idées magnifiques. Tu m'inspires. Des projets merveilleux. Tu me donnes les moyens. Humains. Matériel, financier, pour les réaliser, de sorte que la surabondance soit encore mon partage ce mois d'octobre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Tu me donnes des contrats suffisants, des clients suffisants et des marchés en grand nombre. Tu fais prospérer mes affaires, tu fais prospérer mon couple, tu emmènes la paix dans mon foyer, tu bénis mon épouse, tu bénis mon épouse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce mois d'octobre. Est magnifique. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce de ce que dans ton amour, tu influences les décideurs pour mon bien. Pour mon bien. Tu parles à l'oreille d'une personne pour mon bien, d'un patron pour mon bien. Je te rends grâce parce que ce mois d'octobre, tu chuchotes à l'oreille de mon patron et j'obtiens une promotion, une augmentation de salaire par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si tu le crois, donne un bon amen. Si tu le crois, donne un bon amen. Alléluia. Lève la main droite et déclare, tu pourvois à mes besoins. Miraculeusement, pas selon ma richesse, mais selon ta grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ, avec gloire en Jésus-Christ, avec gloire en Jésus-Christ, je déclare que ce mois d'octobre, je ne connais aucune limitation, aucune sécheresse. Financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu as nourri, ton prophète à travers les corbeaux, tu suscites des corbeaux de toutes parts pour me nourrir. Au nom de Jésus. Bien aimé, je veux marquer une pause. Est-ce que la permanence peut m'aider? Avec DHL Corbeau qui livrait le pain et la viande au prophète. Alléluia. Quand il était dans le torrent de Guéride. Karabasha katalabo sataya. Lebrakata. Ce que je voudrais te dire, bien-aimé, te faire remarquer dans ce passage, dans ce point de prière, c'est que les corbeaux livraient au prophète la viande et le pain. Je veux te faire remarquer que la viande, c'est ce que les corbeaux mangent. Les corbeaux se nourrissent de viande, même de pain. Mais est-ce que tu réalises que parce que Élie devait manger, le pain et la viande sont devenus le totem des corbeaux? C'est-à-dire, dès qu'ils commençaient à transporter ça, ils avaient comme une espèce de nausée. Ils pouvaient manger tout le pain ailleurs, toute la viande ailleurs, mais pas ce qui était destiné à nourrir le prophète. Je suis en train d'annoncer à une personne que dans cette saison qui s'ouvre, dans cette saison où le Seigneur te fait entrer, quelqu'un va venir t'apporter. Makayata brakata. Pas ce qui lui déplaît, mais ce qui lui plaît, parce que le Seigneur lui aura ordonné de te donner. Alléluia. Ce mois d'octobre,
Le Seigneur t'envoie des corbeaux dans le nom de Jésus. La Bible dit dans 1 Rois 17, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Il buvait de l'eau du torrent. Je suis en train d'annoncer à une personne que tu ne seras pas dans la sécheresse. Tu ne seras pas dans la sécheresse ce mois d'octobre. Tu ne seras pas. Dieu suscite des corbeaux pour toi. Dieu suscite des personnes qui vont à la chasse, qui ramènent le pain, qui ramènent la viande. Est-ce que ça veut dire que c'est un mois où tu vas te coucher et paresser? Non. Ça veut dire que ce mois-ci, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas obtenir ce que ton travail va te donner. Mais tu vas obtenir au-delà de ce que ton travail va te donner. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu t'envoie des corbeaux. Dieu t'envoie des corbeaux. Dieu suscite des corbeaux. Alléluia. Des corbeaux pour financer ton projet. Au nom de Jésus. Des corbeaux pour financer ton projet. Dans le nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus, ça sera ton partage. Katabasha kalabaya. Le kabasotolobo sadane sotobros. Ah, lève la main droite et déclare. Chatabro sitabayata. Dis octobre. 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 Tu es le mois. Où personne ne m'arnaque. Dans le nom de Jésus. Le mois où je ne prends aucune mauvaise décision. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit guide mes pas. Je suis sensible à l'esprit. J'ai de bonnes connexions. Et je fais de bonnes affaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout genou de difficulté, quelconque, fléchi devant Jésus, et tout vent contraire me permet de prendre mon envol dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ah, ah, déclare, 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 octobre, je marche sur les serpents et sur les scorpions et rien ne peut me nuire, rien ne pourra me nuire au nom de Jésus. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Quiconque se lève contre moi, ce mois d'octobre, tombe sous mon pouvoir, tombe sous mon pouvoir. Mataya tabracha kata, les kabasete les korobosa, regé de boche kalabaye bosa, les katara boche de bré, les kabaya tabrachata, rakataya, rakataya. Rakataya, Rakataya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a combien de semaines dans le mois d'octobre? Kabaya tabra kataya tabra sotaya, le barabashete rekorabashete lebo si kabaya. Alléluia, bien aimé, ne te déconnecte pas. Ha. Il y a 4 semaines dans le mois d'octobre. Alléluia. On va aller dans les 4 semaines. Lève la main droite et déclare. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si je prie et que je bats des mains. Si je prie et que je bats des mains. Que tous les pièges. Que tous les pièges. Contre ma maison. Contre ma maison. Mon foyer. Mon foyer. Mes enfants. Mes enfants. Ma famille. Ma famille. Mon mari. Mon mari. Pendant que je suis en train de battre les mains, que les auteurs de ces pièges voient l'épée du carnage les poursuivre au nom de Jésus et que tous les pièges soient détruits. La puissance et la vertu du nom de Jésus. Nous prions pour la première semaine d'octobre. Prie et bat des mains. Chagé de Gozata, Remakalabaya, Chabra Sotaya, Tabababababa, Rakataya Tabra, Makerebo Chetebos,
Kota rabasuta bros. Yate brakata. Mayata brasata. Shada da 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 ye. Karabasoko rababosha. Remasa brakata. Yeta rabasa da 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 da. Yekele bosu karabaya brochete. Remakata la bosa da ya. Karabashata mayata brakata ya. Eta malo sada la bosi kabaya. Hey, baya. Au nom de Jésus, tu prends le même point de prière. On entre dans la deuxième semaine. Maréché Kata. Make a bros of Kataya. Rabashe Kataya. Mata Rebaya Tabra Sukaya. Tarabaya Tabra Kerabase Kerebusikabaya de Bus. Ora Shadadaya. Mate Rabase Tarabasoto de Bosa. Reboche Tarabase Kerebosa. Magataya Tabra Sukaya. Au nom de Jésus, nous renversons tous les pièges planifiés par l'ennemi pour la troisième semaine du mois d'octobre. Nous renversons au nom de Jésus. Rabasha katababo sheterebos. Rema mama mase kere konta baba. Nebra kata raba yete breketa. Mata yata bra. L'épée du damage, détruit, détruit, détruit. Chaki baba bo shalo zadada. Lokata la bo sita brandehe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Karabashe kereboso karabayende bro sagada. Makaraba yatabra kotarabashe kata. Nebaraba baba 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 baba. Rekeleboso karabayende bro sa. Shagada da 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 rekada baya. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Makayeta brocha, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la quatrième semaine. Dans le nom de Jésus, tous les pièges du malin contre ta vie sont renversés. Au nom de Jésus. Trois jours, les trois derniers jours, au nom puissant de Jésus, toute programmation de l'ennemi contre ta vie est renversée dans le nom de Jésus. Est renversé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Alléluia. Alors, tu vas déclarer. Tu vas déclarer maintenant, avant d'acclamer le Seigneur. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 5h48. Alléluia. On a 10 minutes de célébration. Donc, avant d'acclamer le Seigneur, maintenant, tu vas déclarer. Selon qu'il est dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Dieu. Toi aussi, tu vas dire, mois d'octobre,
moi docteur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es le moi où ma santé est parfaite, tu es le moi où ma santé est parfaite, la santé divine est mon partage, est mon partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur, les œuvres du Seigneur, toute maladie, qui était dans mon corps, ou qui voulait se manifester. Je te maudis. Là où tu te trouves, je déclare que tu sèches. Selon Marc 11, comme le figuier maudit, tu sèches au nom de Jésus jusqu'à la racine. Et je déclare que tu ne prospères pas. Tu meurs avant que je ne prenne connaissance de ton existence. Dans le nom de Jésus, je déclare que la vie de Dieu est en moi. Tout arbre que mon Père n'a pas planté est déraciné. Dans le nom de Jésus, les malheurs, les mauvaises nouvelles, la désillusion, les bonnes nouvelles qui se transforment en marasme ne seront pas mon partage dans ce mois d'octobre. Je le confesse, je le déclare, je l'annonce, je parle à l'atmosphère. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Je ne viens pas en mon nom, mais au nom du Christ qui vit en moi. Au nom du Christ qui vit en moi. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, je déclare que ce moi, ni la crainte, ni la peur, ni toute autre forme, ne trouble, ne seront mon partage. Le bonheur et la grâce sont mes compagnons fidèles. Dans le nom de Jésus, ils m'accompagnent. Pour ce mois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, sur la base de cette parole, je veux simplement t'inviter à parler de tes objectifs au Seigneur. Parle de tes objectifs pour ce mois. Prions, prions le Seigneur. On va chanter. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Père, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Papa, tu m'as dit. Tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire.
Tu m'as dit. Aussi je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Dans ma vie. Dans ma vie. Alléluia. Tu vas lever la main et tu vas faire cette prière. Dis Seigneur. Seigneur, tu points d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Parce que à cause de ton onction, mes objectifs, je les atteins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu m'as assigné, je les atteins. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de ton Jésus. Ton onction me discerne. Ton onction me discerne. Ton onction fait la différence. Ton onction fait la différence. Ton onction me discerne. Dans mon action fait la différence. Je vois. D'octobre. Je brille de la gloire de Dieu. Je scintille de la gloire de Dieu. L'onction de Dieu fait la différence dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Tu bois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu bois d'huile un prophète intercesseur et sa coupe déborde. Reçois la gloire, reçois la célébration. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas bénir ta journée. Tu vas bénir ta journée. Journée de victoire, de louange, journée de distinction. Au nom puissant de Jésus. Déclare. Les cabayés, les beaux chadados, c'est des blots, ça. Reba chatata, reggae des beaux, si cabaya. Bénis ta journée. Je verrai ta gloire dans ma vie. Je verrai ta gloire, Kabayata, Remacha, Kalabo, Serabaye, Terebo, Chaladeso. Je verrai ta gloire, ce que tu dis, ta main l'accomplit. Je verrai ta gloire. Oh, ta main posée sur moi fera la différence. Je verrai. Ce mois d'octobre, je verrai ta gloire. Je toucherai les bénédictions. Je verrai ta gloire. Tout comme Bartimée. Dans ma vie. Moi, je verrai ta gloire. Makayata brakata. Alors, je vais lever la voix pour un prophète intercesseur. Père, tu es juste extraordinaire. Tes œuvres sont incroyables. Difficile à raconter. Merci parce que tu nous étonnes. Tu nous surprends. Au nom de Jésus, merci pour ce mois merveilleux. Merci pour ce mois où il y a un changement de verdict, changement de diagnostic. Dans le nom de Jésus, un malade guérit. Les malades guérissent. Au nom puissant de Jésus. Ah, ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, tu le fais dans la vie d'un prophète intercesseur aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous maintiens dans la célébration. Tout le mois d'octobre, nous célébrons et célébrons. Nous célébrons et célébrons. Nous bénissons et bénissons ton nom dans le nom de Jésus. C'est une journée où quelqu'un a ses documents administratifs. C'est une journée où quelqu'un voit un test de grossesse positive. C'est une journée où quelqu'un voit un fibrome disparaître. C'est une journée où la joie revient dans un couple. Au nom de Jésus, c'est une journée juste merveilleuse. Merveilleuse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, ta journée bénie, prophète intercesseur. Ta journée est merveilleuse.
Elle est glorieuse. Amen. Elle est extraordinaire. Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tu es béni de tous côtés. Amen. Ah, Père, je veux te rendre grâce. Bien-aimé, aujourd'hui, hey, on est combien là? Je lis bien sur Facebook. Alléluia. Amen. On a atteint 4100 partages sur Facebook. Vraiment que le Seigneur te bénisse brusquement, Amen. Toi qui as partagé. Amen. Pendant que je suis en train de parler là, que l'onction tombe sur toi comme ça. Vroom, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Wow. En fait, vous savez qu'avec le Seigneur, c'est quand on commence, on termine. Ça veut dire qu'on vient de dire au Seigneur que le nouveau quota, c'est 4100. Amen. Amen. Donc, le soir là, quand on va mettre Night Fire, il faut partager jusqu'à ce qu'on soit à ce même niveau. Et on a prié avec plus de 1000 personnes sur Facebook. Amen. Donc ce matin, on était 2000 Amen. En train de célébrer le Seigneur. Waouh! Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Oh, Jésus est content, Jésus Amen. Est content. Jésus est content. Cette Amen. Concentration de gratitude Amen. Devant le trône du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Amen. Voilà, il est 6 heures. En temps normal, je dois te laisser, mais on va prendre quand même un cantique. Avant d'aller rejoindre les autres en présentiel pour la matinale de prière. Amen. Ah, cette matinale-là sera spéciale. Si tu l'as ratée, je ne sais pas. Déjà au centre Kodesh, les gens sont en train de célébrer la matinale d'aujourd'hui là. Ah, regarde, si tu veux venir faire 3 minutes avant d'aller au travail, bien. Excusez-moi, je suis déjà là où je me trouve, j'entends déjà les cris de réjouissance, des sifflets. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La matinale sera particulière. Amen. Amen. Alors, on va célébrer le Seigneur avec un dernier cantique. Et puis, je vais laisser la place. Abbé Gilles, tu es là. Enfin, au prochain dirigeant. Alléluia. Alors, donne-moi un cantique. Qu'on célèbre le Seigneur. Ne te déconnecte pas sur Facebook. Hein, ou bien, je suis en train de me chercher plus là-bas. Hein? C'est quoi? C'est trop. Mais vous ne les concentrez pas. Ah, ne me cherchez plus. Mon adresse a changé. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Dans le quartier des célibataires. Hey! Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Jésus m'a donné du boulot. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai porté mon bébé P24. Amen. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. J'ai déménagé. J'ai changé mon adresse. Oh. 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 Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé.
Jésus m'a attrapé, il m'a rangé et il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé, il m'a rangé et il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé, il m'a rangé et il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé. Jésus m'a attrapé, il m'a rangé, il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé, il m'a rangé, il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé, il m'a rangé, il m'a positionné dans la gloire. Jésus m'a attrapé. Alléluia. Alors, j'avais oublié de te dire que ce soir, il y a Night Fire. Alléluia. Il y a Night Fire ce soir. Ce n'est pas le même lien que cette salle. Voilà, mais Sorel, toi aussi, pendant qu'on célèbre, il fallait mettre. Il y a Night Fire ce soir. Il y a Night Fire ce soir. Bon, on a fini. Ma caméra est ouverte, fermée. OK. Donc, il y a Night Fire ce soir. Alléluia. Les gens de la matinale disent que je suis attendu là-bas des parties. Il y a Night Fire ce soir. Alléluia. Et donc, voilà, vous aurez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que le prochain dirigeant est là, s'il vous plaît? Beaucoup de personnes ont demandé à avoir, le temps de prière. Il est disponible sur Facebook. Voilà, il est disponible sur Facebook. Vous prenez juste 1er octobre, c'est ça, non? Oui, 1er octobre. Vous prenez 1er octobre, le temps de prière est disponible sur Facebook. On continue dans la célébration chez nous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime fort. Je vous aime fort, prophète intercesseur. Mes partenaires de prière, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Que sa grâce demeure sur nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, je vous rappelle que donc ce soir, il faut rester connecté pour avoir les détails justement sur In Liberia. Voilà. Ce soir, on a Night Fire. Ce n'est pas le même lien. On va poster les informations de Night Fire sur la page Facebook. Il faut juste lire. Vous n'aimez pas lire. Souvent, vous venez dans le chat pour demander. Quand on parle de Night Fire, sous la fiche qui annonce Night Fire, il y a les liens en même temps. Le lien est automatiquement posté en dessous. Donc, vous cliquez, vous entrez dans la salle. On ouvre à partir de 22h45. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Que votre journée soit merveilleuse, extraordinaire, glorieuse, remplie d'amour et de passion pour le Seigneur. Soyez bénis de tous côtés. J'attends vos puissants témoignages. Alors, hier, je n'ai pas répondu à beaucoup de personnes parce que je devais ménager ma voix et aujourd'hui, c'est encore le cas. Mais vous savez ce que vous savez. Donc, il fallait qu'on soit là ensemble à ténèbres pour la prière. Donc, aujourd'hui, on va se tester. Je ne vais pas parler. Voilà, je ne vais pas parler et si je ne vous réponds pas aujourd'hui, je vais vous répondre la semaine prochaine. Soyons fortifiés, que Dieu nous bénisse. Est-ce que je peux avoir le prochain dirigeant? Bien, mais si tu sais que ton mois là est puissant là, commence à faire une offrande, prépare une offrande et puis apporte l'offrande au Seigneur. Alléluia. Commence à faire une offrande pour ton mois d'octobre. Voilà, si tu mets l'offrande, tu peux apporter l'offrande dans ta communauté, dans ton église, là où tu es, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ce mois d'octobre. Tu peux apporter l'offrande à prière 24. C'est tel que tu sens, mais l'offrande aussi ouvre le ciel.
ne faut pas perdre de vue que l'offrande ouvre le ciel. Donc déjà, pour bénir le pour préparer le mois, tu peux bénir le Seigneur. Dis, Seigneur, je te bénis, alléluia. Je te bénis pour le mois qui est en train de commencer. Le puissant mois que tu me donnes. Que Dieu te bénisse. Ah, voilà ma... Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que la permanence peut prendre le relais pour que j'apparaisse au centre Kodesh dans la salle? Qui sent Kodesh? Quelqu'un peut-il ouvrir son micro, s'il vous plaît? Et pendant ce temps, on se déconnecte de Facebook. On vous envoie plein de cœurs sur Facebook. Si vous voulez donner vos sujets personnels, venez nous rejoindre dans la salle Zoom. Alléluia. Alors, est-ce que la permanence peut poster le lien pour l'offrande? L'offrande à prière 24, s'il vous plaît. Mettez le lien dans le chat. Et les gens de la permanence, on dirait que vous êtes en train de célébrer jusqu'à quand vous avez des étés. Je ne comprends pas. Hein? Ou bien vous êtes sous l'onction là-bas. Et c'était l'anniversaire de Vanessa. Vanessa, que Dieu te bénisse. Merveilleux anniversaire.